Prise en charge de l'hypertension artérielle, oui, mais comment devrait se faire celle du diabète? Élément de réponse dans ce reportage de Laura Zinga Pembelo. Le diabète, une pathologie chronique couramment appelée maladie du sucre, reste encore très mal connue de la population, mais aussi de l'infirmier dont le rôle est important dans la prise en charge du patient. En effet, sa prise en charge clinique requiert une parfaite connaissance des infirmiers sur la maladie et les différents gestes appliqués devant un sujet diabétique. Bon, le constat c'est quoi? C'est en fait la méconnaissance sur la maladie. Les gens n'ont pas la connaissance sur ce qu'est le diabète. Nous avons pour les infirmiers, il y a la méconnaissance sur la prise même de la glycémie capillaire. Beaucoup des infirmiers ne savent pas prendre la glycémie dans les services. Il y a aussi la méconnaissance sur la réalisation de la bandelette urinaire au cas où la glycémie est supérieure à 1,80 g. Et la méconnaissance aussi sur les différents types d'insuline et les sites d'injection. Les objectifs spécifiques ici, c'est d'abord savoir réaliser la glycémie capillaire et la bandelette. Savoir injecter l'insuline. Identifier les différents types de diabète. Éduquer les patients diabétiques, surveiller le patient diabétique. En réalité, plusieurs aspects sont à prendre en ligne de compte dans cette prise en charge en milieu hospitalier. Le rôle de l'infirmier, c'est de contrôler régulièrement la glycémie et rassurer le malade de la bonne prise en charge. Exécuter le protocole établi par le médecin. Appliquer la technique de l'insulinothérapie. Rôle de l'infirmier, donc les gestes, comment faire la glycémie. Bon, la technique, ce sont les mêmes techniques que nous avons, laver les mains, porter les gants, aseptiser la face latérale du doigt, piquer à la surface latérale, contrairement, s'il vous plaît, à ce que vous avez l'habitude de faire au milieu. Il faut prendre les bords de votre doigt. Bon, la lecture sur la glycémie, on a dit ici, si glycémie, si 87, ça veut dire que vous devez mettre 0,87. Je vais m'arrêter par là en disant, nous avons failli avoir un problème il y a au moins 3 jours. Ça c'est au niveau des sages-femmes. Nous avons un enfant diabétique qui va pour accoucher. Finalement, la sage-femme a confondu la lecture sur l'appareil. Au lieu de 0,40, la sage-femme est allée donner l'information au médecin que la dame était en train de faire 4 grammes. Alors qu'elle était déjà en hypoglycémie, elle était dans le coma. Alors si le docteur n'a pas pris la décision d'aller lui-même sur place, cette demoiselle mourrait. Parce que quand le docteur arrive, regarde l'état de l'enfant, il dit non, refaites-moi la glycémie. Et quand on refait la glycémie, cette fois-là, c'était à 0,37 g. S'il vous plaît, sur votre appareil, quand vous avez 2 chiffres, ça veut dire mettez 0, le chiffre que vous avez eu. En ce moment-là, vous allez faire la différence. Si c'est une hypoglycémie ou pas. Aussi, l'éducation du malade est un élément crucial dans la bonne gestion du diabète. L'éducation ici, la deuxième éducation, c'est sur les mesures hygiéno-diététiques, sur l'alimentation. Parce que vous savez que la glycémie en fait le point de départ. C'est vrai que nous avons beaucoup de facteurs déclenchants, mais quand on ne vous éduque pas sur ce qu'est de votre manière de manger, c'est aussi un souci. Et nous avons l'éducation sur les activités physiques où vous savez bien que ce soit sur l'hypertension, sur le diabète ou sur d'autres maladies, effectivement, le sport est nécessaire. Donc nous donnons l'éducation sur les 3 axes. La prise en soin toujours, le régime alimentaire, l'objectif nutritionnel. Pourquoi? C'est limiter l'hyperglycémie post-prandiale. Ça veut dire que le malade doit savoir la quantité, la qualité de ce qu'il doit manger. C'est pour éviter, parce que le tout part de ce qu'il mange. S'il mange quelque chose qui est permis, mais limité, c'est bien. Mais s'il mange quelque chose qui n'est pas permis et à grande quantité, c'est fort probable que la personne puisse faire une hyperglycémie à partir de ce qu'elle a mangé. Éviter aussi les épisodes d'hypoglycémie. Pour les parents qui sont parfois pauvres, la personne a bien son traitement, mais le fait qu'il n'a rien à manger, parfois son propre traitement va l'entraîner à l'hypoglycémie. En conclusion, la gestion du patient diabétique est basée sur la connaissance de la maladie, des gestes infirmiers et la surveillance du malade.
Quand vous ne connaissez pas, nous sommes entre nous, rendez-vous dans le service parce que dans tous les services, nous avons des malades diabétiques et ça nous fait de la peine que toutefois nous puissions nous déplacer pour aller vers ces malades-là. La prise en soin du patient diabétique est basée sur la connaissance de la maladie. La connaissance de la maladie, donc, elle est nécessaire. La connaissance des gestes infirmiers, la surveillance.